Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission À découvrir. Aujourd'hui, c'est belle matinée, je suis accompagné de Gabriel qui va nous présenter son objet. Alors, son objet, c'est un gant de baseball et est ici en studio aujourd'hui pour nous en parler. Alors, bon matin Gabriel, ça va bien? Bon matin, ça va bien toi? Oui, ça va très bien. Alors, pourquoi le gant de baseball? Pourquoi tu veux nous parler de ton objet? En fait, le gant de baseball, c'est un objet qui représente mon sport, ma passion. Donc, ouais, j'ai décidé de vous présenter ça parce que ça a l'air anodin, mais c'est quand même très spécifique là, comme matériel. Nice. Tu parles de ton gant de baseball. Est-ce qu'il y a quelque chose qui signifie pour toi? Y a-t-il quelque chose en particulier, ton gant? En fait, je me suis acheté il y a environ 3-4 ans. C'était pour. C'est comme un cadeau que je me faisais, mais comme maintenant, vraiment, ça m'a aidé dans mes performances. Puis c'est quelque chose qui va me rappeler toutes mes années de baseball de Tu jeunesse. parles de ça acheté il y a 4 ans. Tu te souviens de la place que tu l'as acheté? Tu te rappelles-tu? Dans ma ville, il y a un magasin Baseball Town qui vend tout le stock de baseball. Puis c'est là-bas que je suis allée chercher. T'as acheté d'autres objets? C'est la première fois que tu achètes comme statut? Non, vraiment pas. Cette fois-là, je pense que je me suis acheté deux gants de baseball, donc un pour l'avant-champ puis un pour le champ. Sinon, évidemment, les battes de baseball, tout le stock, là, ouais. Nice. Je vois aussi, je remarque ça, puis tantôt, il est assez petit. Est-ce qu'il y a une différence par rapport, mettons, à un gant de gars ou de fille niveau grosseur du gant? En fait, il n'y a rien qui diffère. C'est seulement la position à laquelle tu vas jouer que le gant va changer de grandeur ou de forme. Sinon, goffer, gaucher, droitier, c'est la même affaire. Ok, nice. Tantôt, j'ai entendu parler d'avant-champ ou de champ extérieur, je pense. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence? L'avant-champ, c'est la partie où il y a du sable, donc où que tout le jeu de rapidité va se faire pour retirer les joueurs qui sont en course. Sinon, tu as le champ extérieur, c'est là que la plupart des balles vont être frappées, donc les relais doivent se faire. As-tu une place que tu préfères jouer, toi? J'ai toujours préféré jouer champ extérieur. Malheureusement, je me suis blessée, donc j'ai fini par jouer champ intérieur et être à ma position que je pouvais. Ouais, ça, tu me parles de ton objet, qui est un gant de baseball, fait que je suppose que tu dois vraiment aimer ça, le baseball. Est-ce que tu pourrais nous expliquer de ta passion à part de où? Est-ce que mettons, tu jouais au primaire, au secondaire ou… J'ai commencé en quatrième année de primaire. Ça m'a pas mal suivi tout au long de mon secondaire. Puis encore aujourd'hui, je joue dans une ligue féminine du Québec. Ouais. Fais avoir des équipes au primaire, des équipes au secondaire. Si tu veux continuer, je suis sûr qu'il doit y en avoir collégial. J'étais supposée faire une équipe collégiale au Québec. Mais c'est pas des équipes d'école, c'est vraiment des équipes de ville. Mais sinon, rendu à un certain niveau pour les filles, c'est plus la balle molle. Okay. Donc, cette année, c'était la première année qu'il y avait une équipe régionale féminine. Donc, on va continuer avec eux pour le reste des Parfait. étés. Puis vite fait, t'as-tu un parcours que tu as fait? Genre, peux-tu nous expliquer ton parcours? En fait, tu as déjà expliqué que tu as commencé au primaire, tu es au secondaire. Est-ce que tu as des voies à continuer encore longtemps à jouer au baseball? Est-ce que tu veux comme aller au prochain step ou tu comptes juste? Non, je compte continuer. En ce moment, je suis coach et joueuse. Donc, Oh ben, c'est malheureusement tout le temps qu'on a aujourd'hui. La semaine prochaine, on va avoir Marie-Ève dans nos studios qui va venir nous parler de sa première paire de baguettes. Alors, guys, on se revoit la semaine prochaine. Puis merci encore à Gabrielle d'être venue nous passer dans nos studios. Alors, merci beaucoup. c'était pas super, la fête. Je regarde pas les caméras. Tu regardes pas les caméras? Vas-y, vas-y.